mademoiselle Allwright. Vous trouvez un taxi risque d'être long vu la pagaille. Et votre parapluie? Vous croyez qu'il m'en faut? Je crois pas. Chanceuse. Merci. Bonne journée. On va essayer. Quelle chance. Au revoir. C'est à la 66e et Broadway. Il faut que j'y sois dans 4 minutes, s'il vous plaît. Ouais, il suffit de le demander. Salut, Dana. WNYE, vous êtes le 7e appel. Pouvez-vous me donner le titre de notre mystérieuse chanson? Oh, je rêve encore. Je suis désolée. Je rêve encore, c'est gagné. Oh, c'est le 5e feu vert qu'on a d'affilée. La force est avec nous ce matin, mon pote. Dana, je crois que je vais être très en avance, alors je vais faire un petit saut chez Balducci. Tu veux des muffins? Je suis le maître de mon univers. À énergie positive, résultat positif. Malchance. Ah, parfait. Il va sortir promener son chien. Bonjour, monsieur Phillips. Voici le groupe le plus en vogue et le plus branché de New York. Le moment s'y prête. Génial. Ah, j'ai trouvé une pièce. Monsieur Phillips, excusez-moi. Attendez. Oh. Merci. Je vous en prie. Dépêche-toi, bébé. Mon bébé a fait son popo. Alors, en route. Bébé, ton popo me coûte cher. Ça vous plaît? Bonjour, monsieur. Génial. M'emmener au commissariat de mon quartier? Ils sont sympas là-bas. C'est promis. À 18h. D'accord. La petite trousse toute souriante sera là. Dans ce cas, je serai là-bas à 17h30. D'accord. Pardonnez, compagnie. Un instant. Bonjour, Maggie.
Qu'est-ce qui nous vaut cette allure de pin-up? Brad Pitt et Jude Law ont eu un bébé et je suis tombée sur lui dans l'ascenseur. Brandon et compagnie, que puis-je pour vous? La commande de chez Baldacci. Oh, toi, merci. Excuse-moi, qu'est-il arrivé à ce corps modèle? C'est un nouveau manteau? Ouais, tu te rends compte? Un modèle en solde, 50%. Oh. Et il a rencontré un mec, ce manteau. David Pennington? C'est le propriétaire du Boston Celtic, ce David Pennington? Non, idiote, c'est son fils. Très impressionnant. Pour moi aussi, cette journée a bien commencé. A priori, Saturne est en phase avec Neptune. Dana, tu sais que ces données ne sont pas vraiment factuelles. Mm-hmm. Oh, et ma nouvelle chanson a fait l'objet d'une gentille lettre de rejet de Two Tone Records, mais vous savez ce qu'on dit, quand une porte se ferme, deux autres s'ouvrent. En parlant de porte, la réunion avec Philippe, c'est quand? Maintenant. Je file, il faut que je prenne des notes. D'accord. On se revoit juste après, les filles. Bye. Bye. Bien, tu veux celui au blé? Ben où est-ce qu'ils sont passés? Oui, ils forcent les portes pour les débloquer. Oui, je vous entends très mal. Les scores de la semaine dernière affichent 470 000 CD vendus. C'est pour ça qu'on mérite d'être placé en tête du magasin. Écoute, tu lui en parles parce que je t'en donne l'ordre. Tu lui dis que Damon Phillips t'en a donné l'ordre. Il faut que je raccroche, là. Je croyais qu'on avait une réunion. Oh, il devrait arriver d'ici une seconde. Ça vous dérange de... D'attendre? C'est la pire des insultes. Il n'attend jamais personne. Ouais, c'est vrai, personne. C'est clair et il est furieux. Hein que c'est vrai? Ça, c'est vrai, je suis furieux. Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. Je vous le promets. Vous me foutez, messieurs! Sarah, fais quelque chose! Oh, ça alors? Je viens d'avoir un email de Madame Braddon et elle dit qu'elle vérifie les derniers détails pour faire une présentation spéciale rien que pour vous et qu'elle va pas tarder. Bien. Vous savez combien a rapporté Downtown Masquerade Records l'année dernière? Oui, il a fait 507 millions, grosso modo. Et bien sûr, vous savez à combien environ chaque minute de mon temps s'évalue? 964 dollars. Ça fait un paquet de pognon. Je m'attendais pas à ça. Oui, ça comprend vos heures de sommeil. Alors quand je vais faire popo... Ça me rapporte du pognon? Ça, c'est de la merde qui vaut cher. Tu l'as dit. Vous voyez pourquoi une telle perte de temps est intolérable? Et ça, c'est une perte de temps! Je vous comprends tout à fait. Et si vous m'accordez un moment, je vous expose le dossier. S'il vous plaît, si ça ne vaut pas une minute, alors je vous donnerai 965 dollars. Mmh. Parce que personnellement, je vous trouve sous-payé. Vous avez votre chéquier en poche? C'est pas vrai. Bien. Non. Bien sûr. Quoi? Parfait. Damon! Damon! Je suis navrée de vous avoir fait attendre. Nous étions tous... Avec du fromage. D'accord. Il faut que j'aille chercher les dossiers et on va commencer la présentation. Non, non, c'est fini. Damon, je vous en prie, l'ascenseur était coincé. De quoi vous me parlez? Mademoiselle Allwhite m'a exposé toute votre stratégie promotionnelle. C'est brillant. Et particulièrement la partie fête. Oh. La partie fête? Ouais, la petite fête genre mascarade, ça me plaît bien. Oh, ça vous tente, ça? C'est la tactique idéale pour dévoiler nos talents et avoir une déduction fiscale et soutenir une bonne cause. Sans compter que je n'arrive pas à dire non. À une fête, ça le fait. Ça le fait. Ça le fait. Moi aussi, j'adore faire la brague. Ne jouez pas à ça. Je vous couvre, monsieur Dee. Votre voiture vous attend. Une petite fête genre mascarade? Je suis vraiment confuse, Madame Braddon. Je prends des notes au briefing et il a fallu que j'improvise pour m'en sortir. Eh bien, vous avez une grande fête à mettre en place. Oui, c'est vrai. Vous avez besoin d'un bureau de chef de service. Quoi? Pour moi? C'est votre idée, vous vous en chargez? Sarah, trouvez un bureau à Ashley et faites qu'on lui remette une carte de crédit. Merci, Madame Braddon. Oh, plus de ça. Ashley, à partir de maintenant, ce sera Peggy.
Peggy. Et vous êtes? Le courrier. Peu importe. Et rassurez-vous, Ashley, je surveillerai toutes vos opérations. Sarah? Oui, mademoiselle. Cathy, c'est moi. Salut, Jake. Salut. Waouh, qu'est-ce que tu t'es mis sur la joue? C'est les grands du CM2. Ah, ils sont forts, ceux-là. Fais-moi voir. Avec quoi ils te l'ont collé? Avec de la colle à eau. Ah, ça m'est arrivé. T'as passé une meilleure journée que moi. Hamburger? Évidemment, avec du ketchup pour toi. Cathy, où est mon chignon? Il est dans le four, grand-mère. Ah, le four là, son chignon. Salut, Jake. Salut, tante Martha. Alors, Cathy, je serai à la maison après mon service, vers minuit. Cool. Tu fais pas de bêtises? Oui, oui. Je t'adore, Jake. Moi aussi. Cathy, surveille ton cousin. Je l'ai à l'œil. Au revoir. Tu y es? Non, attends. Est-ce que ça va tirer? Parce que ça me fait rien de le garder. Ça va pas tirer si tu te tiens tranquille. Oh, oh. Bouge pas, tiens-toi tranquille, c'est bientôt fini. Il se décolle. Un, deux, trois. Ça y est, c'est fini. Attends, attends. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Jack, t'es mon héros. Tape-moi 5. Je vais garder ce truc-là, parce que je trouve que c'est vraiment un jouet dangereux. Garde-le. Plus. Au revoir. Oh non, pas encore! Alors, vous devez aller où? À un match de basket, l'équipe de son père joue contre Philadelphie. Pas assez sexy cette veste. Sur place ou ailleurs? À Philadelphie. J'imagine la scène, son jet privé affrété qu'il pilote lui-même. Tu te trompes, il a un pilote. En parlant de rancard, eh oh, il faut trouver quelqu'un à notre dragon pour la mascarade. Comme ça, elle ne sera pas sur notre dos à surveiller nos moindres mouvements. Bon courage les mecs, ceux qui sont capables de supporter Peggy ne mettent pas d'annonce dans les pages jaunes. Serait-il possible que tu aies cessé de l'idolâtrer? Ouais. Pourquoi les mecs l'aimeraient pas? Elle est sophistiquée, glamour, se fait inviter chez la terre entière et ne reste jamais cloîtrée parce qu'elle n'a rien à se mettre. Regarde, elle n'a rien à se mettre. Oui, oui, oui. J'arrive! J'y vais. Je reviens. J'arrive, trouve-moi une tenue. Oh, j'en ai trouvé une. Oh, oh, oh. Oh, c'est qui, lui? Du calme, tu baves sur mon paillasson. Oh, c'est mon voisin de palier. Quiche! Antonio! Oh, salut, Ashley. Salut. Ton teinturier est venu te livrer quand t'étais absente, alors je l'ai pris et j'espère que ça te gêne pas. Oh, c'est gentil, t'es un ange, merci beaucoup. J'essaie en tout cas. Ça m'a l'air d'être le grand soir. Ça se pourrait, et toi? C'est à chaque fois le grand soir. Alors, un de ces quatre. Merci. Au revoir. Ah, au fait, Antonio, tu es libre jeudi prochain? Je suis jamais libre. Qu'est-ce que tu veux me demander? Eh bien, tu dois pas manquer ça. Mascarade Records organise une gigantesque soirée promotionnelle. Petit four, danse assurée et un petit rancard arrangé avec ma patronne. Ta patronne? De quoi elle a l'air? C'est le style, assez brillante, forte, une femme indépendante. Est-ce qu'elle est jolie? Oui, bien sûr. D'accord. Écoute, si tu juges que nous deux, ça peut le faire, alors ça marche pour moi. T'es le meilleur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oh, ça y est, j'ai un cavalier pour le dragon. Ouais. Mais c'est quoi ça? C'est pas la mienne. À qui c'est? Oh! À Sarah Jessica Parker. Quoi? Je déconne pas. Je savais pas que Sarah Jessica Parker vivait dans ton immeuble. Oh mon Dieu, et t'as vu, c'est une Dolce. Oh, c'est pas grave, j'irai leur rendre demain matin. Fais-moi voir. Oh oui, et c'est ta taille, si c'est pas du bol. Ne sois pas jalouse. Dites-moi, vous trouvez pas que ça pourrait être très joli sur moi? Tu devrais vraiment la mettre ce soir. Ouais, oui, il me faut une barre de chocolat tout de suite. Et moi, un peu de lait. Je vais essayer cette robe. Merci. Dégage de là, connard. Pas regarder au bout. Désolé. Désolé. Yo, 1, 2, réglage micro, réglage retour. She's got a lip ring and fuck her. Not into fashion, but I love the clothes she wears. But her tattoo's always in fire. Yeah.
Jake, qu'est-ce que ça a donné? Alors, tu l'as vu, tu lui as passé le CD? Pas tout à fait. Il a d'abord fallu qu'on se mette d'accord sur les conflits de programmation. Et ça fait des semaines que ça dure, vos conflits. On est sur la bonne voie, les gars. Croyez-moi. Et ce soir, il y aura même deux chercheurs de talent dans la salle. Salut, Jack. Les chiottes des mecs sont encore bouchées. Et je vais aller les déboucher, Mac. Mais quand je prendrai mon service, c'est-à-dire dans 2 heures. Imagine que c'est un Grammy. Un Grammy? Un Grammy, ça? Ok. Bon, je m'occupe de ce truc-là. Et vous, toujours un max d'énergie, hein. Et fais sonner le ré, Tom. Ça va donner grave ce soir, les gars. She's just alone with a sexy Ça va nous conduire au jet. Oh, c'est pas vrai. Il faut vraiment que je le note dans mon agenda. Ah, bonsoir, Bayonne. Ashley, où as-tu déniché cette magnifique robe? Oh, ça se demande pas. Mesdames et messieurs, merci d'acclamer le groupe de rock le plus branché de New York City, McFly! She's got a lip ring and five colors in her hair. Not into fashion, but I love the clothes she wears. Well, I'm not dead. Vous m'avez jamais payé? Écoute, Jake, tu t'y connais, c'est vrai. Tu nous as découvert, mais... Mais ça veut dire quoi, mais... Mais on se dit qu'il est temps de repartir chez nous. Ouais. Non, ouais. Non, ouais. Vous pouvez pas rentrer chez vous, on touche au but. Mais Jake, on n'a pas eu une seule opportunité depuis qu'on est là. Ouais, et ce pauvre Doug veut voir sa maman. Bah ouais. Non, je te jure, hein, je cale tous les soirs. Une semaine. Ça marche? Ça marche? Vous me laissez encore une semaine, et si je vous décroche rien d'ici là, alors je vous laisse tranquille. On arrête tout et vous reprenez le premier vol sans rancune. Une semaine. T'as gagné. Une semaine. Une semaine. Une semaine. Ça marche. Reposez-vous, les gars. Va falloir que maman patiente une semaine de plus, Dougie. Une semaine. Une semaine. Vous êtes touché? C'est pour vous? Alors, il t'a sauté dessus? Curieuse, David Pennington est un gentleman. On s'est embrassé. Bah, d'addition, s'il te plaît, Zuki. Ok. Merci. Alors, c'était le genre d'un... doux baiser ordinaire ou un baiser surnaturel à te faire frissonner jusqu'à la pointe des pieds et à émoustiller tous tes sens? C'était assez concluant pour lui demander un autre rencard. Oh merci beaucoup. Non. Attends, c'est quoi ça? Seigneur Platinum dit que le déj est pour lui. Oh, ce que ça peut m'agacer. Quoi? Maintenant, pour couronner tout le reste, Peggy Braden t'a filé carte blanche pour régler ce que tu veux. Il y a de l'énergie positive, c'est certain, mais avoue que t'as beaucoup de bol. Ah, ça faisait longtemps. Maggie, tu me connais depuis l'école primaire. Alors tu peux lui dire que je suis pas chanceuse. Eh bien, tu as été élue reine du bal à Franklin High. Et alors? On n'y a jamais mis les pieds, on était à Jefferson. Ça ne veut absolument rien dire. Ok, quoi? Tu te moques de moi. Merci, Ashley. Merci. Merci, Ashley. Merci beaucoup, Ashley. Mais faut y faire, ma belle. C'est vrai, quand tu nais sous une bonne étoile, il y a tout qui te sourit. Vous êtes dingues, les filles. Conchita Choma. Merci. Au revoir, merci. On y va. Si tu es sûre de ne pas avoir le gène de la chance, alors ça ne t'embêtera pas de faire un test.
Un test? Ouais. Un test? Cool, quel genre de test? Oh, désolé, moi. Un ticket à gratter, s'il vous plaît. Quel genre? Tu veux piocher? C'est pas un vrai test. Je suis hyper bonne à ce genre de choses. Le verre là, c'est de la loterie. T'as pas besoin d'être bonne. Un dollar. Elle est nette. Merci beaucoup. Les filles, t'es soyez obligée. Sympa. C'est débile ce que vous me faites faire. Gratte, gratte, gratte. T'as pas le droit. Pourquoi? C'est mon ticket. Dis. T'as quoi 5, 10, 15. Je vous ai dit que j'étais bonne à ça. Tu es la personne la plus chanceuse du monde. C'est quoi ton truc, Ashley? C'est quoi ton truc? Je vous l'ai dit, il suffit de gratter la case pour gagner. Gratter? Il suffit de gratter. Je vais te tordre le cou. Mais on se calme. Il faut pas que je me blesse. J'ai une importante soirée à préparer. Et nous avons une répétition dans le centre avec Peggy dans 10 minutes. Taxi! Il faut qu'on passe prendre les tableaux, on va jamais y arriver. T'es négative, c'est ça ton problème. T'as raison. Salut ma biche. Et pas tes mamans, compte sur nous. On t'adore. Comment tu te sens? Nerveuse. Elle va adorer. Ok. On va le poser là. Cette pièce est splendide. Va vite, elle t'attend. Bonjour madame Braddon. Ah. Désolée Peggy. Alors vous êtes prête à être épatée? Je suis prête à te questionner. Je tâcherai de vous répondre. Bon, alors, nous avons décidé de créer une ambiance style carnaval. Nous avons donc prévu un mélange de personnalités du Gotha, des VIP, des initiés de l'industrie du disque. Sauf que tout le monde devra porter un masque. Très intéressant. Nous aurons un DJ, des numéros de funambule, une cartomancienne, une ambiance en fumée et des néons. Là où je suis, ce sera le coin des personnalités. Nous servirons du champagne, le meilleur qui soit. Du Dom Pérignon, servi par des serveurs montés sur des échasses. Un peu plus loin, il y aura une scène avec les dernières vidéos de mascarade et les danseurs pro. Et de l'autre côté, de petites alcôves, avec des matelas et des voiles drapés pour accentuer le côté intime. Et au-dessus de nos têtes, des danseurs aériens. Je veux que les personnes invitées aient l'impression que tout peut arriver. Cette nuit promet d'être magique. Les équipes de danseurs, ils sont en train de se changer. Et Philippe, il jubile, il va s'exprimer dans 5 minutes. J'ai déjà tout orchestré. J'ai un œil sur tout, ma chère. Merci d'être venu. Tu m'ôtes une épine du pied. Alors, laquelle je dois séduire? La grande blonde, près de la cartomancienne. Ah, ravissante. Ouais, elle est juste très accro. Pas de problème. Mais ça va te coûter les yeux de la tête. C'est terrible, hein? Mais t'as un trésor. À toi de jouer, j'ai encore du boulot. Y'a pas que toi. J'en ai un qui force l'entrée. Quoi? Non. S'ils sont pas sur la liste, ils restent dehors. Sans exception. Dehors. Je suis invité avec une personne. Je suis sur la liste. Mais c'est quoi le problème? C'est la veste? Pas dans le mur. Ah, mon pied! Je suis désolé. Ils m'ont jeté. Mec, quel loser. Ah! C'est ici la soirée mascarade? C'est toi, Ronald? Ouais, c'est moi. Ronald, tu es en retard. Le vestiaire des danseurs est en salle 5. Ok. Alors, vas-y. En salle 5. Pourvu bon, que ce soit la même taille. C'est bien ce que je pensais. Les amoureux. Oh, c'est nous. Je te l'avais dit, bébé. Ashley! Antonio, Peggy, vous avez l'air de bien vous entendre. Ouais, c'est rien de le dire. Merci de m'avoir arrangé le plan. Tu l'avais programmé? J'avoue être fautive. Merci beaucoup, il est adorable. J'en suis ravie. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. C'est ce que Madame Z vient de nous dire. C'est vrai? Les amoureux. Viens bébé, on va danser. Bon boulot, continuez Z. Tu prends?
tu ne veux pas que Madame Z te prédise que les cartes réservées. Non, non, ça va aller, gardez ça pour les invités. Ah, t'es si petit. Non, c'est juste que combien de fois peut-on entendre « Vous allez rencontrer un bel étranger » et « Oh, comme si on ne l'avait jamais fait ». Tu crois que la bonne fortune est normale? C'est ça à quoi je m'attendais. Qu'est-ce qu'elles disent? Je vais gagner une croisière? Ces derniers temps, j'ai eu l'impression qu'on allait m'offrir une croisière. Pas tout à fait. Elles disent que la chance a toujours fait partie de ta vie. Fais attention, cette carte. La roue de la fortune, elle est apparue à l'envers. Ça signifie que la roue peut virer brutalement. Bien, mais j'ai pas le temps de me pencher sur les prévisions de la roue. J'ai 500 invités et je dois m'occuper de mon canon à mousse qui a lâché. Sauve-toi. Eh bien, c'est du bon boulot, ça plaît beaucoup aux invités. C'est... C'est tous une soirée agréable. Vous aimez la musique? J'adore. J'ai dit, vous aimez la musique? Rien ne vaut les soirées de Damon. Vous êtes là et je tiens à vous remercier du soutien apporté à l'association des sans-abri. À l'heure qu'il est, nous avons récolté 270 000 dollars de dons. Ça mérite bien un tonnerre d'applaudissements. Encore plus fort! J'entends rien! Je vous promets que si vous videz vos poches et que vous vous montrez généreux, je vous réserve un truc incroyable! Vous y êtes! Magie à fond! Boum, boum, boum! Putain, j'assume! Monsieur Philippe, excusez-moi. Hey, je te conduirais bien à l'église. Viens, on y va. Danser sur la scène et la scène est de ce côté. Oui, je sais, oui. Je vais juste. J'étais juste sur le point d'inviter cette ravissante jeune fille à danser. On sur les pompes du boss, hein? Du boss? Je comprends pas. Tu devrais aller danser. Va danser avec ce type. Il l'a bien mérité. Vas-y, cette fête est fabuleuse. Il est assez mignon. Je crois que je vais y aller. J'ai le droit de faire un peu la fête ce soir. Oh, allez. Dana, je peux aller danser. Je peux aller danser. Je meurs d'envie d'aller danser. Allez. Pitié. Vas-y, chauffe, chauffe, chauffe. Profite. Il faut que je file. Quoi? Mais
faut que j'aille régler une chose, mais je te promets que je reviens juste après. Surtout, ne bouge pas, tu restes où tu es. Ok. Ashley? C'est qui ce gars-là? Franchement, j'en ai aucune idée. Tu viens d'embrasser un gars qui t'est totalement inconnu? Ouais. Quoi? Ma chaussure. Qu'est-ce qui... C'est pas vrai. Quoi? Ma robe. Oh, ma robe. Heureusement que t'as une culotte. Oh. Il n'est pas là, si je te le dis. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. C'est la plus grosse fête. Non, Monsieur Philippe. Non. Babou, excusez-moi. C'est la plus grosse, c'est la plus importante. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. J'ai essayé de freiner, mais il m'a coupé la route. Appelez tout de suite les secours. Ça va, monsieur? Allez bien. Il est blessé? Ça va? Vous êtes sûr? Je vais bien. Attends, j'ai mal nulle part. Appelez tout de suite une ambulance. C'est inutile. Je vais vous aider. Je vous dois bien. Je vais bien. J'ai rien de cassé. Vous êtes l'individu le plus chanceux que j'ai jamais vu. Monsieur Philippe, vous n'avez rien? Vous allez bien? Je vais même plus que bien. Je suis vivant. Tu viens de me sauver la vie, Spider-Man. Ah, ce n'est rien, je vous assure. Non, c'est pas rien. Il doit bien y avoir un moyen de te remercier. Vous savez, ça me suffit que vous n'ayez rien. Voyons, je dois bien pouvoir faire quelque chose pour toi. Ok, puisque vous y tenez, je ne veux surtout pas vous déranger, mais... ce groupe est exactement celui qu'il vous faut. C'est le plus en vogue et le plus branché de New York. Écoutez, si vous pouviez, qu'avez-vous dit? J'ai dit ça roule. Tu m'amènes McFly, c'est ça? Ouais. Amène-moi McFly à mon bureau, on l'écoutera. Ok. Hé, fiston, comment tu t'appelles? Jake Arden. Jake Arden? Damon Phillips te doit beaucoup. Ouais, je suis toujours là. Ce gosse vient de me sauver la vie. C'est une impression ou j'ai eu une chance terrible? Elle s'étouffe! Vas-y, essaie, Ashley, va! Balance-le! Quelqu'un pourrait l'aider, elle s'étouffe! Ça y est, elle est rouge! Laisse-moi! J'y vais! Encore! Allez, ça y est, presque! Qu'est-ce que c'était? Une olive! Ash! T'as vu? C'est pas moi! Ils vont l'arrêter! C'est elle! C'est moi qu'elle pointe. Suivez-moi, on va la chercher. Suivez-moi. S'approche par ici. Oh, ok. Poussez-vous, dégagez. Dégagez, poussez-vous. Ashley Allwright. C'est bien forcé de dire oui. Vous êtes en état d'arrestation. C'est pour la robe de Sarah Jessica Parker, c'est ça? Attendez, je pensais... Non, j'avais prévu de lui rendre demain, j'applique la loi. Je vous jure, j'ai passé une soirée d'enfer. J'ai failli me faire écraser par un taxi et j'aurais traîné. Hé, mon frère, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vous assure que dans Sex and the City, Sarah Jessica Parker a énormément de robes. En plus, c'était sa dernière saison. Vous croyez qu'elle va lui manquer? Tu te prostitues? J'escorte. Je croyais que tu savais. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Peggy, je... Grâce à toi, il y a des petites alcôves. Je veux que les personnes invitées aient l'impression que tout peut arriver. Qu'est-ce que t'as à sourire comme ça? Je sais ce qui nous arrive. Quoi? Où est-ce que vous croyez qu'il est? Où est-ce que je crois que qui est? Chut, l'auteur! L'auteur de quoi? De ce reality show. Ok, je vais le trouver toute seule. J'ai tout découvert, vous pouvez me dire ce que je viens de gagner. Tu es devenue dingue. En sourdine là-dedans. Allez les filles, dites-le moi, c'est David Pennington qui me fait une farce. Hein, c'est lui? C'est ma place. Je croyais qu'on s'asseyait là où on avait envie. C'est la vraie vie, Ashley. Non seulement ça me coûte mon plus gros client, mais je n'ose même pas imaginer ce qu'on va dire sur moi dans la presse. Baden. C'est moi. La caution a été payée. Oh, Dieu soit loué, merci beaucoup. Oui, je suis désolée. Oh, au cas où ce ne serait pas clair, tu es virée. Par ici, madame. Alors, quand ils disent qu'ils n'ont pas d'avocat... Et là aussi, c'est votre sol? Qu'est-ce que tu as dit? She's got a lip ring if I can't. Not in
into fashion, but I love the clothes she wears. Her tattoos always in her by your underwear. Ça va aller, ça suffit. Les gars, la voiture est prête? Oui, monsieur. Vous savez, ils sont... assez nerveux. Vous pouvez l'accompagner? Jake? Jake? Je regrette que ce ne soit pas tout à fait ce qu'est-ce que vous... qui te plaît chez eux? Ils ont une approche intéressante du son rétro, un côté Beatles plus Bing 182. Ça me surprend que tu ne parles pas des ventes d'albums et de statistiques. Ah, eh bien c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'en fait, je crois qu'un groupe aussi bon va se vendre tout seul. Un idéaliste et un puriste. Ça me plaît, ça. J'étais comme toi, plus jeune, mais j'ai décidé de devenir affreusement riche. En tout cas, merci de les avoir écoutés. Écoute, petit. Je crois à la chance. Alors je vais envoyer le disque à quelques radios pour voir comment ça se passe. Pendant ce temps-là, tu prépares le prochain, d'accord? Tu as 2 semaines. Alors, vous engagez le groupe? Je viens de passer 8 minutes avec toi. Pourquoi j'irais perdre mon temps si je ne m'engageais pas? Tiffany, monsieur, contactez le comptable qui leur fasse une avance et trouvez-leur un appartement terrasse. D'accord. Et là, ça fait 9 minutes. En route. D'accord, au revoir. Et merci, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Besoin d'un bon bain moussant. Hé, hey, vous, ce serait pas... Non. Pourquoi est-ce que tout passe en revue? Au-dessus du taux toléré. Ouais, on va être obligé de... Qu'est-ce que c'est? C'est votre appartement? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, une fuite. Une fuite? Une inondation. En gros, c'est le terme employé pour une montée d'eau anormale. Mais vous en faites pas, c'est rien, on va vous arranger tout ça. Oh, merci beaucoup. Ça vous embête pas si je vais changer de tenue? Hé les gars, elle veut venir pour enfiler d'autres fringues. Attendez, je vous suis pas là, qu'est-ce qui vous fait rire? Ah, écoutez ma jolie, il y en a une propagation de moisissures de niveau 4. Une chance qu'on l'ait découverte. Une chance. Dégagez-la, dégagez-la. Et mes meubles, ils sont où? Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Quoi? On a brûlé vos meubles avant qu'ils contaminent tout le reste. Hein? On a quand même réussi à sauver ce qu'il y a là. J'attends qu'elle parte. Est-ce que ça? Il n'y a que ça, ouais. Fais attaquer l'autre côté du couloir. On essaie d'avoir une deuxième pompe. Avec le chef, il faut pas nos trio. T'es sûr que ça va? Ça, c'est mon nouvel appartement. Je sais. C'est assez impressionnant. Ton home cinéma. Télévision satellite. Et la nuit, quand l'éclairage est tamisé, je dois avouer que cet appart est absolument fabuleux. Oui, il est pas mal. En tout cas, à la lumière du jour... Bien, le groupe attend dans le hall, le bar et le frigo sont pleins à bord. Oh, et juste pour info, DMR est une société où il fait bon travailler. Tu sais que dans certaines boîtes, ils interdisent aux employés de sortir entre eux. Ici, ils s'en foutent. Sortir? Ce serait trop génial, je suis libre tout ce week-end. Dis, ça t'ennuie pas si la fille paie son resto? Certains mecs font un drôle de complexe. Oh, faut que je file, je suis en retard à mon cours de massage érotique. Je viens le prendre plus tard. Spider-Man. Des cours de massage érotique. C'est trop gentil de m'héberger chez vous, les filles. Non seulement j'ai plus d'argent, mais en plus le dragon m'a grillé auprès de toutes les boîtes de la ville. Pourquoi tu téléphones pas à tes parents?
et admettre ma défaite. Oh non, jamais. Ouais. Alors, où est-ce que je vais dormir? Dans ta chambre. Ma chambre? Mm-hmm. La chambre de Maggie est là, juste au-dessus de la cuisine. Merci. Et Dana vient de déplier son convertible. Ouais, toi tu as deux options. Soit c'est le grand mollasson, moelleux et solide, et celui que je préfère de loin, le fabuleux futon. Parfait. Eh bien, je tâcherai de me faire toute petite et vous ne saurez même pas que je suis là. T'as pas un séchoir? Ah si, je l'ai posé sur le radiateur. Merci. Oh. Votre chat est noir? Je viens juste de le remarquer. Ouais? Pourquoi? C'est curieux. Eh ben, c'est génial. On va se marrer. Et tout va finir par... Oh! On fait plus que ça. Quoi? Je suis défigurée. J'ai un bouton. Et les filles, j'ai un bouton. Oh! 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 Ash, qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh! Oh! Ashley! Oh! 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 J'ai cassé un miroir. Je sais, il n'y a pas pire. Les filles, je ne sais pas ce qui se passe. Je refuse de faire 7 ans de plus comme ça. Depuis la soirée de mascarade, j'ai l'impression d'être une calamité et chaque fois que je touche à un truc, je le pète. Ok, Ashley, calme-toi, ce n'est rien. Pour certaines raisons, une mauvaise étoile stagne au-dessus de ta tête. Mais la roue peut virer brutalement. D'accord? Oh, mais je sais. Il faut que tu me prêtes des fringues. Ferme. Дайте чёрные, эти сашные, эти жгущие и прекрасные. Как люблю я вас, боюсь я. Рай-дай-дай, эти чёрные. Эо! Ouvrez cette porte! Эо! Ouh! Oui. Vous avez fichu ma vie en l'air. Quoi? Ah, c'est toi. J'avais une belle vie presque parfaite jusqu'à ce que je vous rencontre. Attends une seconde. Tu es sûre qu'elle était parfaite? Dis donc. Qui vous autorise à me psychanalyser? Oh. Concentrez-vous sur votre magie vaudou et faites que j'ai plus la poisse. Bien. Concentre-toi. Hey, hey, hey. Stupai. Ça y est. C'est revenu. Alors maintenant, file. Demain, j'ai une rude journée qui m'attend. Non, non, non. Ne prenez pas cet air supérieur. Vous et vos cartes, vous avez tout salopé. C'est à vous de tout inverser. J'ai voulu te mettre en garde. Réfléchis. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier à cette fête? Mis à part le fait que ma robe s'est déchirée, que j'ai failli mourir étouffée et que j'ai fini en garde à vue, non. Bieda. Et un peu avant tout ça? Eh bien, j'ai embrassé un beau gosse, mais je le fais pas souvent. Vous avez dit que je pouvais la donner à une autre personne, c'est ça, hein? Est-ce que ça veut dire que je lui ai passé ma chance? Peut-être qu'il en avait plus besoin que toi. Il me l'a volée? C'est cet ignoble goujat avec ses baisers? Non, je vais pas laisser passer ma chance, ok? Alors vous allez m'aider et me dire comment faire pour la récupérer. Moi? Bon, réfléchissons. S'il a réussi à la dérober avec un baiser, alors ça tombe sous le sens. Quoi? Dis donc, ça fait quand même 20 danseurs professionnels. En embrassant l'un d'entre eux sur la bouche, ma vie repart comme avant. Je peux pas y croire. Hé, hey, dégagez du trottoir! Tu vas te calmer? Je suis une cible là ou quoi? Enfin, c'est ridicule, non? Tu ne vas pas la récupérer en embrassant un gars? Moi, je les trouve hyper sexy, tous ces gars-là. Oh, ouais. Génial! Voilà que tu l'encourages maintenant! Oh non, je crois qu'elle a disjoncté. Moi, je vais observer et moquer. Je veux seulement retrouver la vie que j'avais avant cette soirée. Ok, et alors comment tu sauras que t'as embrassé le bon gars? Tu sais même pas la tête qu'il a. Oh, j'ai un bon test pour le savoir. Oh! Hé, hé, c'est ce type! Ah ouais? Ashley, il vient de se marier. Ashley, attends. I don't need to know what you're thinking. I got a mission.
suppose que cette fille est ta sœur. Non, 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 non. Vous avez vu ça? Désolé. Mais enfin, je suis sûr. Tu as gâché mon mariage. The sunshine, try to find the moonlight. Don't even know if I know your name. A social butterfly, heading to the east side. My lips are moving down the warm breeze. I don't need to know what you're thinking. I got a mission. It's all about a kiss. I don't need to know what you're feeling. To walk on the ceiling. Life surprises. We'll see. Et bah quoi? Je m'appelle Dave. I don't need to know what you're thinking. Salut Alex. M'entends ou pas? Salut. Comment tu vas? Crache ton glaçon, H. Tom Guthrie, on s'est déjà pointé à 3 adresses différentes sans succès. Ouais, vous avez raison. J'ai l'impression d'être comme un lapin qui s'est fait sucrer sa pâte fétiche. Oh. Je devrais laisser tomber. T'exagères, H. Il y a pire. Ouais, t'as embrassé une douzaine de beaux inconnus infestés de bactéries. Tu sais que t'as des amis. Oh, merci. Mais ce serait beaucoup plus prudent qu'on évite de se toucher. Mais je t'aime toujours. Ah oui? Tu m'aimes? Je vais te coincer et je vais t'embrasser. Oh, pancakes! Salut, Minou. Salut, Ashley. C'est moi, David. Oh. Un grand vernissage a lieu ce soir à la galerie Station 1. Pennington. On se retrouve à cette heure. Ne me brise pas le cœur. David Pennington, un nouveau rencard. J'irai pas le retrouver. Pourquoi? T'as la chance d'être avec un gars génial. Non, avec la chance que j'ai, je vais me prendre un bus. Maggie! Ton chat noir se trouve sur mon passage. Ça craint. Allez, pousse-toi, Pancakes. N'aie pas peur de cette méchante fille très superstitieuse. Je suis pas superstitieuse, mais c'est un truc reconnu, ça. Ça porte malheur. Dan, que dit mon horoscope? Lion, lion. Ta lune est en Uranus. Oh! C'est pas ce qu'il y a de mieux. Il aurait pu annuler. C'est pas la preuve que ces histoires de superstition sont complètement bidons? Je crois pas, non. Ashley, les filles malchanceuses ne se font jamais inviter par le célibataire le plus convoité de la presse magazine. Les filles malchanceuses restent et voient leur bonne copine avoir la chance de se faire inviter alors qu'elles vont se morfondre devant le poste de télé et finir leur vieille sucrerie d'Halloween. C'est juste. T'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Va vite te préparer. Tu sais quoi? Je suis peut-être pas si malheureuse. Je dois voir les choses du mauvais côté. Et ces revers de médailles sont peut-être bénéfiques, finalement. Bien sûr. Tu l'as dit. Parce que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ok, je tourne la page définitivement. Et maintenant, la chance va me sourire à nouveau. Voilà. C'est rien. Tu viens de la remettre dans ton œil? C'était ma dernière, les filles. C'est vraiment dégueulasse. Oh, mon œil! Et vous voyez?
voyez, je suis sur la liste. Je suis l'autre personne. David Bennington, plus quelqu'un. Salut, David. Le voilà. Là, vous le voyez? Salut. David Bennington, là. Non, ça va. Il est avec moi. Merci. Ça va? J'ai rien. Suis-moi, j'ai une surprise pour toi. Oh mon Dieu! Ça te plaît de voir ce... cet énorme, cet horrible, cet immonde amas de... Ashley? Oh, on dirait que ça sort directement de l'arrière-train d'un éléphant. Oh. Ashley? Hein? Voici ma mère, l'artiste. L'artiste? Oh, bonjour, Madame Pennington. Quand on vous voit, vous faites beaucoup plus jeune qu'en photo. Je ne dis pas que vous avez l'air vieille. David, si je suis obligée d'endurer ça, il va me falloir une vodka. Excellente idée. Garçon. Oui, monsieur. Merci, vous en prie. Non, merci. Oh, David, chérie, cet odieux personnage du Time, j'étais si... C'est lui? Ce fils de... Excusez-moi. Oui? Oh, le serveur, il était... Plus votre type. Je suis tout à fait de votre avis. Quoi? Mère, s'il te plaît. Si ça ne vous ennuie pas, je vais aller me rafraîchir chez les dames. Toi, c'est pas ton tour. Excusez-moi? Ok, tu gardes bien ta langue dans la bouche jusqu'à la fin. C'est strictement professionnel. Quoi? Vas-y, rends-moi ma chance. Qu'est-ce que... Lâchez-moi! Des entrailles du tumulte mortel surgissent. Les hommes limons. Passe-moi, merde! Laissez-moi, je suis dans le spectacle! Je suis l'homme limon. Je suis la femme limon. Nous sommes le peuple limon. Et lui est notre roi limon. Arrêt cardiaque, je lui fais un massage! Non, je fais pas d'arrêt. Il peut pas respirer! Il a l'air de respirer normalement. Non, c'est faux, c'est comme un réflexe cardiaque. Il faut que je lui fasse des bouches à bouche. Il va récupérer. Chance que vous connaissiez ces mastages. Ouais, tu sais quoi, c'est tout moi ça, la chance. Tu sais, j'ai l'impression d'être... Ah oh 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 c'est irréparable. Oh, c'est foutu. Tout ceci est ridicule, c'était que de la boue. Jumelle que vous avez vue, elle était là l'autre soir. C'est elle, la garce, moi je suis sympa. Qu'est-ce que je vous sers? Je peux avoir un grand verre d'eau? Pas de consommation, pas de table. C'est écrit, là. Je peux utiliser vos toilettes? C'est écrit aussi, pas de consommation, pas de toilettes. D'accord, génial, je vois. Je m'en vais. Ça va, vous êtes content du spectacle? Vous savez, en temps normal, je ne vis pas ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, si ça se trouve, c'est peut-être même pas moi qui suis devant vous. Tout ça, c'est sûrement un cauchemar que je suis en train de faire, déclenché par un massage corporel intense. Un massage qui m'a été offert à une œuvre caritative. Ça a l'air bon. Vous avez terminé? Mais non, c'était de l'humour. Je vais pas manger vos restes. Oh, la vache. Bah, peut-être juste le bacon. J'ai l'air d'une morphale.
c'est parfait. Aïe, 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 la salière. Je vous le dis juste pour info. Je trouve que ce que je vais faire est complètement ridicule, mais ça fait de mal à personne. Ça suffit. Oh, mes yeux! C'était un accident, je suis désolée. Mademoiselle, il est temps de partir maintenant. Oh mon Dieu, je suis désolée. C'était un accident. Venez, je vais vous aider. C'est scandaleux. On craint plus rien. Merci pour tout. Oh. Pardon. C'est naturel, quand j'ai vu que vous partiez en... Des confitures? Ouais. Ouais, fauchée, chômeuse, et j'ai dévoré le jamón de un extraño. Quoi? Oh, le bacon d'un étranger. Ah. Je trouve que ça sonne mieux en espagnol. Ah. C'est raté. Vous aviez l'air affamé, alors je vous ai pris ce sandwich à la dinde avec de la moutarde. Oh, c'est gentil. Merci. Merci. Ravie de vous avoir connu. Ouais, et... Je dois y aller. J'ai entendu parler d'un boulot. Si ça vous intéresse. Ah oui, c'est quoi l'arnaque? Il y en a pas. Vous voulez que je me convertisse à votre religion ou à votre secte? Non, il n'y a ni religion ni secte. C'est juste un job. C'est pas top, mais c'est très mal payé pour beaucoup d'heures. Vous ne répondez pas à ma question. C'est quoi l'arnaque? Disons que je sais trop ce que c'est que d'être SOT. SOT? Quand le sort s'obstine sur toi. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis SOT? C'est parce que j'ai fait tomber la salière? Ouais. Nature fraîche. Oh. Oh. Ce que vous êtes en train d'endurer, je suis passé par là. J'y étais même abonné. J'étais le roi en matière de galère. Je m'appelle Jack. Ashley. Très bien. Non, allez-y. Oh, mon manteau. Ça vous va bien? Il n'y a pas d'autre cata. À vrai dire, je n'ai pas la tenue adéquate pour aller passer un entretien. Pour celui-là, je crois que ça fera l'affaire. Ok. Alors, on y va? Pourquoi vous êtes si gentil? Pourquoi? Eh bien, la malchance, ça me connaît. Mets-toi un peu à ma place. Je te promets que tu vas l'adorer. Il s'agit pas de ça, Jack. Écoute-moi, je n'ai pas besoin d'une autre serveuse empotée. D'accord, Mac. D'accord. Tu le regretteras pas. Il vient de refuser? Non, 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 non. Rien à voir. Tu peux avoir un job. Mais c'est mon vieux job. Et alors? Eh bien, j'espérais qu'il t'engagerait comme serveuse ou mieux. Mais mon vieux taf consistait à livrer les plats cuisinés, faire le concierge, m'occuper des toilettes. Je l'accepte. Je l'accepte. Do you know what it's like to fall on the floor? Cry your guts out till you got no more. Hey man, now you're really living. Have you ever sat down in the fresh cut grass and thought about the moment and wishing will pass? Hey man, now you're really living. Now you better give it everything. Now you're really getting all you can. Now you're really living. Sun is all gone. Well, I just saw the sunrise over the hill. Never used to give me much of a thrill. Now you're really living.
votre album, Philippe tient à pouvoir jouer dans une salle plus grande comme le Knitting Factory. Oh, cool. Si vous accrochez la poule pendant une heure, si vous la chopez. D'accord. C'est prévu quand? Oh, donc j'en sais rien. Les gars, écoutez, Cartier, mets la radio plus fort. Ça y est. Ça se fête, les mecs. Les hamburgers et les frites sont pour moi. Vas-y, dis, ma jolie, tu veux grimper sur cette échelle et changer cette lampe? Pas très doué, je souffre. Merci. Ouais. De vertige. McFly, la nouvelle invasion musicale britannique qui se retrouve... Philippe vous dira ce soir ce qu'il en est, mais il est impératif de se concentrer sur les bons réglages. Oh. Comme ça, ça ne va pas marcher. Elle aurait dû monter sans le tube, puis redescendre le vieux néon, parce que là, du coup, elle est obligée de jongler. Tu sais où est le balai et la pelle? Je nettoierai. Et elle aurait dû éteindre la lumière avant, parce que là, elle va se choper. Un coup de jupe. Salut. Salut. Ça va? Et alors? À part te prendre des châtaignes, comment ça se passe? Oh, je peux pas me plaindre. Tant mieux. Ce serait pas poli, j'ai pas le droit de me plaindre. Je devais me faire embaucher. Ah, j'ai pas oublié. C'est gelé, alors ça va te soulager. T'as l'air de savoir ce qu'il fait et fait. Merci. Oh, ça fait du bien. C'est du dentifrice? Ouais, c'est ce que les vieux chinois mettent sur les brûlures de doigts. Et ça a l'avantage d'être prêt. J'ai ce qu'il faut dans le sac que je me trimballe. J'ai le kit premier soin, des chaussettes de rechange. Tu serais pas un peu défaitiste? Non, c'est être réaliste vu le monde extérieur. Tu me passes ton portable? Quoi? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, faut le faire pivoter. Ah, je vois. Comme ça. Répertoire. Bergdorf, Bendel et Sushi A? Mais tu es dingue! Les gens malchanceux ont la liste des hôpitaux! N'appelle jamais le 911. Ils mettent des heures avant de décrocher. Les pompiers répondent. Ils sont géniaux. Au centre antipoison, il faut s'adresser à Lou. Il n'y a que lui qui assure. Tu sais quoi? Ce misérable sac a beaucoup contribué à ma survie. Et... il est temps que je t'en fasse profiter. Oh non, non, c'est trop, là. Non, non, je t'assure. Je crois que tu devrais le prendre. Il te sera plus utile. Merci beaucoup. Il faut que je réponde. Oh oui, vas-y, bien sûr. Salut Cathy, ça va mon cœur? Quoi? Ta clé? T'as vérifié sous le paillasson? D'accord. Et si je passais te prendre pour te montrer mon nouvel appart? Tu vas adorer, c'est grandiose. D'accord, on mangera des pizzas, on va s'éclater. Il faut que je file. Ok. Au revoir Ashley. Hein? C'est une fille que je connais. Ouais? Non. Was I in vain? Was I too close to comfort? Pushing me down when I wanted it. What was I just about to discover? When I got too close to comfort, driving you home. Hey, les gars! Les gars! Regardez qui est là! Salut les gars! Comment ça va, mec? Salut. Ça sonne bien! Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Jack, le Knitting Factory nous a lâchés. Quoi? Oh non, c'est des conneries. Ça craint. Five Colors fait un bon score grâce au passage radio, alors j'ai décidé de vous programmer au nouveau Hard Rock Café de Times Square. Oh, ça déconne. C'est qui le boss, hein? C'est formidable. C'est de la balle. C'est génial. C'est de la balle. Et l'autre album, ça s'annonce comment? On bosse dessus. Parfait, c'est bien, il faut pas que je vous perturbe. Ça sonne, les gars, mes félicitations. D'accord, merci. À plus, et bonne journée. Alors, Jake, quand est-ce qu'on va entendre ce merveilleux album? Quand vous l'aurez écrit. Bien. Hé, hey, Jake, t'as une livraison? Hein? Viens par là. Eh, ce serait pas la petite nana du bowling? Ah si, c'est l'électrocuté. Oh, Jackie! Oh. On y va. Danny, on va bosser sur ta voix sur Too Close for Comfort. Je crois qu'on y est presque. Il faut juste que tu gardes le tempo. Ok, on va reprendre après le second couplet. Hey. Non, oh, je l'ai. Je suis désolée. Y'a rien. Je le tiens.
Tu veux de l'aide? Je m'en veux d'être maladroite. Non, t'en fais pas pour ça. Allez, viens, écoute cette chanson. Ça sonne bien, Tim. Sonne bien. Ouais, ouais, je trouve aussi. Ouais. T'as entendu qu'ils vont se produire au Hard Rock? Waouh, c'est génial. Ouais, à part le fait que c'est une salle immense et la remplir n'est pas une mince affaire et que je me dis que je suis fini. Écoute, je pense que c'est un défi, mais c'est pas impossible. Tu crois que ce serait possible que je t'offre un café tout à l'heure ou autre chose si ça te dit? Ouais, ce serait sympa. Oh, la voilà qui arrive. Ah, oh, c'est Cathy. Ouais, elle est craquante. C'est elle qui a choisi cette veste. Oh, elle est jolie. Je trouve qu'elle a l'air d'une vente. Quoi? Quoi? Ressemble. Je trouve qu'elle ressemble à une copine. Hein? Ouais. Oh, c'est curieux. C'est bizarre. Tu sais, il vaut mieux que j'aille, là. Matt m'a demandé de replacer les pièges à rats. Alors je te téléphone ce soir? Oui, à ce propos. On peut remettre ça à plus tard, j'ai d'autres plans. Ça va? Excusez-moi. Je n'ai rien. À plus. Au revoir. Merci pour la balade. Ouais, attends une petite seconde. On se voit tout à l'heure? Dis à tante Martha que Bernie vous prend et vous dépose là-bas. Et n'oublie pas tes devoirs. Ouais, ouais, compte sur moi. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, non, 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 faut pas faire ça. Faut jamais ouvrir un parapluie à l'intérieur. Ça porte malheur. Bernie. Oui, monsieur. Reculez, s'il vous plaît. Tu sais, il y a un poncho au fond de mon sac. J'ai même pas pensé à jeter un coup d'œil. Je te dépose quelque part? Ma rue se trouve qu'à 29 pâtés de maison d'ici. Eh ben, je vais te laisser mon parapluie. J'en ai déjà un. Et tu sais, chez moi, j'ai un sèche-linge, et puis un micro-ondes, du pop-corn, une télé satellite. Non, je préfère rentrer. J'ai pas l'habitude de faire ça pour tout le monde, mais je peux même te concocter un bon chocolat chaud avec des mini-guimauves. J'adore le chocolat et les mini-guimauves. Et si tu bazardais ton paratonnerre et que tu venais? Oh. Merci beaucoup. À l'appart. Ouais, hein. Il faut trouver des habits secs. Tiens, donne-moi ça. Oh, merci. La salle de bain est là, la buanderie de ce côté-ci et la cuisine est juste là. Tu fais comme si t'étais chez toi. Merci. Y a pas de quoi. Oh. Ça t'ennuie si je lave mes fringues avec les tiennes? Non, pas du tout. Waouh, une buanderie dans ton appartement. En ce qui me concerne, c'est le signe qu'on y est arrivé. Ouais, c'est plutôt cool. Il vaudrait mieux que je change ces trucs. Attends. J'attends. Oh! Quel chien!
tout ça dedans pour moi, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Merci. Non, attends, bouge pas. Ok, je bouge pas, je suis là. Depuis quand une machine à laver nécessite un écran LCD? Ok, linge très sale, 19 minutes. Arrêt sur l'écran LCD. Que veux-tu que j'y fasse? Je suis une abominable désolation et je laisse tomber. Tu laisses tomber? Je laisse tomber, je m'en fiche totalement. Tu sais quoi? Ça me soulage. Moi, ça fait des années que j'ai laissé tomber. C'est ça le secret de mon bonheur. Ah. Attends, tu vas voir. Tu vas voir. T'as pas le droit. Oh, non, oh dans ton œil. Oh, t'es foutu. Ah, je suis désolé. Non. Waouh, cool. Je vous dérange pas, j'espère. Salut, Cathy. Salut. Donc, tu es Cathy? Ça n'a pas changé depuis l'autre fois. Salut, je m'appelle Ashley. Non, c'est pas un problème, je suis dessus, ouais. Non, je suis dessus. Alors, Jack m'a dit que t'es une gaffeuse. Je m'étais dit qu'on pourrait le faire après. Je suis pas une gaffeuse. C'est cool. Je suis un peu gaffeuse, moi aussi. De toute façon, c'est un terme affectueux et non un état permanent. T'as pas eu beaucoup de chance, c'est tout. Non, c'est génial, ouais. J'adore les mini-guimauves. Je suis comme toi. Très bien. D'accord. Ouais, on se rappelle plus tard. D'accord, monsieur. Au revoir. Oh là là, c'est pas vrai. Quel est le problème? Philippe veut que la nouvelle chanson soit prête avant le concert. Et? Eh ben, on n'a rien fait, ça fait chier. Je veux dire, suer. On n'a rien, ça fait suer. C'est pas la peine de le répéter à Martha, compris? Stresse pas! Je vais t'écrire une chanson qui te décoiffe. Ah, alors comme ça, t'écris des chansons maintenant, très drôle. Tu pourrais quand même m'encourager. C'est sérieux, Cathy, c'est de ma vie dont il s'agit. Elle est deux à suer. Je te fais suer, là? Je crois que je peux te dépanner. Qu'est-ce que t'es en train de mijoter? Eh bien, j'ai une de mes amies. Yeah, I got you. Oh, it'll make me feel better. And I know you'll help me through this stormy weather. Yeah, I got you. Oh, ouais. Ça, c'est de la chanson. Tout à fait, si vous ne vouliez pas la chanter, il n'y a pas de souci. Non, non, elle est géniale. Il faut faire quelques petits arrangements. Harry, double tempo. Danny et Tom, vous accélérez le rythme et vous la brusquez un peu. Ouais. Merci. Y a pas de quoi. Hey,
Eve. Ça va? Alors, c'est une rumeur qui circule ou t'as un autre tube pour moi? Eh bien, c'est un premier jet, mais je la sens assez bien, celle-là. C'est bien, sois positif, ça me branche, ça. Oh, toutes mes félicitations, tous les billets sont vendus. Tout est vendu? Vous parlez du hard rock? Toutes les places ont été vendues? Je te l'ai mis sur BlackBerry. J'ai pas de BlackBerry. Tiffany, trouve-lui un BlackBerry. Oui. Les gens font la queue dans la rue pour pouvoir obtenir une entrée. Hey, je ne sers personne dans mes bras, mais... Tu m'as sauvé la vie deux fois. Une fois à cette fameuse soirée mascarade, et maintenant. Eh ben, c'était une soirée extra pour moi aussi. Depuis cette fête-là, je suis vraiment le mec le plus chanceux du monde. Écoute, passe à mon bureau tout à l'heure. On parlera de la prochaine de l'album. J'ai déjà des idées. D'accord. Cool. Jack est le gars que j'ai embrassé à la Saint-Rémasque. Hein? C'est lui? Non. Si? Non. Si? Si? C'est génial. Les sexes? Tu comprends pas. Si j'embrasse Jack, c'est le retour immédiat de la vie que j'avais. Et c'est un problème? Pense. Faut que j'y aille. Mais... Ouais. Maintenant? Désolée de... Antonio. Salut, Ashley. Salut. Quelle chance on a de te rencontrer. Oh, je me sens terriblement penaude de t'avoir dit toutes ces horreurs. Non, détrompez-vous, je me sens en partie responsable. T'es même responsable de m'avoir présenté ce gentil, ce merveilleux homme aux fesses d'acier qui est dans ma vie. Oui, on a décidé de se marier, ma belle. Sans blague. C'est vrai, je lui ai offert une belle alliance, hein. Eh bien, je suis contente pour vous, toutes mes félicitations. Ashley, je veux que tu reviennes bosser pour moi. Quoi? Vous êtes sérieuse? Je refuse de te perdre. Grâce à toi, j'ai une chance incroyable. Je sais pas trop quoi vous dire. Eh bien, nous avons une grosse présentation ce soir, au Saint-Régis à 8h. Donc, tu vas me promettre d'être là et faire en sorte de porter une tenue appropriée à ton nouveau titre de vice-présidente. Oh bah ça alors, oui, très bien, oui. Merci beaucoup, au revoir, au revoir. Oh. Oui, j'ai plus la poisse. Oh mon Dieu. Salut. Ash, quelqu'un a envie de manger un petit morceau? Salut. Salut. Hey, j'ai des surprises. Ta-da! La seule en stock et pile ma taille. Une chance, non? Ouais. Je suis passée chez le japonais et j'ai commandé tout ce qu'il y avait au menu. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire une petite fête. C'est gentil. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe ne jouera pas sa chanson. Quoi? Pourquoi ça? Philips est superstitieux. Il considère que les nouveaux groupes devraient n'interpréter que les chansons qu'ils ont composées. C'est insensé. Non, c'est pas de chance. Écoute, je suis désolée de l'apprendre et j'ai rien à voir avec ça. Arrête, c'est pas ta faute, c'est la vie. D'accord? Oh! Dépêche-toi, il faut qu'on s'en aille. Il faut y être avant qu'il démarre, je veux leur souhaiter bonne chance. Vous allez au concert? Oui, on a des places VIP, pourquoi les jeter? Et toi? En fait, j'y vais pas. J'ai un rendez-vous de prévu. Pour un boulot? Il m'est arrivé une drôle d'histoire. Peggy veut me reprendre. Ashley, oh. Je suis tellement fière de toi. Tu as tenu le coup jusqu'au bout et tu t'en sors bien. Tu es sûre que ça va aller? Oui, bien sûr. Tu crois que j'ai le choix? Franchement, si tu t'attardes sur toutes les mauvaises choses de la vie, tu passes à côté de toutes les bonnes choses. Dépêche-toi, il est tard. Éclatez-vous. Bonne chance pour ton rendez-vous, Ashley. Merci. À plus. Thank you.
ils sont... Oh, une bonne, les mecs, j'en vois une bonne, là, regarde. Oh, ouais. Oh, il y en a des milliers. J'espère qu'on va assurer. Dude, allez, les gars, c'est la touche finale. Qui les vous préparez? Allez. J'ai trop le trac. J'ai trop le trac. Je vais merder. Je sais pas encore comment, mais je vais merder. Mais non, ça va bien se passer. Il y a des milliers de gens là-bas. Hé, hey, Nick, t'as vu tous les gens qui regardent? Ça va? Super. Oh, les poules. T'as l'air tendu. Ah, merci, ça m'a bien arrangé. Tu veux une petite infusion? Il y a de quoi se faire des infusions là-bas. Ah, merci, ça serait génial. Les retours, fort pour Danny et Tom, d'accord? Les entrées de la verre pour les saturations. La 2 et la 3. Ah, parfait. Et n'oublie pas les enchaînements de la 3, la 5 et la 9. Ouais, ouais, ok. Quelqu'un pourrait tomber dans le trou, je vais fermer. Wow! Jamais de taxi, Astor. Sois positif. Hé, hey, les filles, grimpez là-dedans. Ah, Ashley, salut. Hé, hey, montez vite, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu fais? J'arrête pas de dégouliner. Oh, quelle horreur. Vous y êtes? Ouais, je suis chaud. Chez moi, c'est inné. Ah, mon œil, la corde demi. Danny, regarde-moi, tu vois clair, hein? Essaye, s'il te plaît. En deux minutes, c'est à vous. Bonne chance. Deux minutes? Bonne chance. De la glace. Filez-moi un peu de glace. Hé, hey, oh! Les gars, je peux pas sortir! Ok, écoutez, je sais que vous avez le trac, c'est normal. Il faut... Une seconde. Oh, bonne idée. Ouh! De l'air frais, il faut aérer. Ah, mais j'y pense, est-ce que t'as vu Harry quelque part? Harry? Il est pas dans la loge? Dispersez-vous et trouvez-le, d'accord? C'est mieux. Nick! Harry! Nick! Harry! Ouais. Est-ce que tu aurais vu Harry? Qui? Harry, notre batteur. Qui? Harry! 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 Oh! Harry! Dégage de là! Fiche-la! Désolé. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez prendre la prochaine? Union Square est toujours bouchée. J'en reviens pas que tu plantes Peggy Braden. Oh, elle s'en remettra. Si jamais la malchance de Jack est comparable à la mienne, alors il n'y a pas de temps à perdre. Harry, t'es là? Quelqu'un aurait vu Harry? Non, pote. Excusez-moi, quelqu'un a vu Harry? Non. Le batteur. Harry! Quelqu'un peut me dire où est le batteur du groupe? Quelle tête il a? Oh, j'en sais rien, ils ont tous la même tête pour moi. Harry! 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 Il est pas ici. Il est pas ici non plus. Pas dans la loge, pas sur la scène. Où est-ce qu'il peut être? C'est ce que j'étais en train de... Ah mais oui. Non. Jack, mon pote. Je sais que c'est la tactique de les faire mariner un peu, mais les New Yorkais ont le sang chaud. On s'est dit que c'était normal de démarrer en retard. Jack, j'arrive pas à trouver Harry, il est nulle part. Il a disparu, il s'est envolé. Il est pas chez les hommes ou les femmes, il est pas là. T'aurais pas un truc à me dire, Jack? On a un problème. Eh oh, c'est quoi ce truc-là? Oh, on est en retard, maniez-vous. Oh la vache. Merci. Attends, nous on ouvre par les coulisses, c'est par là l'entrée. Bonjour, excusez-moi. Attention tout le monde, tiens. Attendez les filles, attendez. Attends Dana, c'est toi qui les passe. J'imagine qu'il va falloir courir sur scène pour annoncer à cette foule déchaînée que le groupe ne jouera pas. Oh. Mais ce sera pas moi. Tu vas devoir t'y coller. À moins que tes gars ne montent sur scène illico. Monsieur Philippe, sans le batteur, je pense... Non. Hé les gars, j'ai souvent été pris comme batteur de remplacement pour Whitesnake. Whitesnake? Mais oui.
C'est ce qu'il nous faut, voilà votre batteur. Non, soyons clairs, on montera pas sur scène sans Harry. Ouais, c'est pas possible. Si McFly ne joue pas, t'auras peut-être la chance de manager l'orchestre d'un lycée. Ouais, on a un problème. Il nous faut un autre groupe. Annule la limousine. S'il vous plaît. C'est bon, vas-y, cours. Oh, Ashley, là, c'est pas le mot. Qu'est-ce que c'est que ce... Et dans... 9, 8, 7... Oh non ! Qui a mis la fumée ? 5, 4, 3... Oh, oh. C'est lancé, c'est lancé. Je rêve. Ce fêlé y est allé sans nous. Alors vous vous maniez ou quoi? J'arrive pas à y croire. Hé, hey, jouez le morceau de Maggie pour moi. Je leur dis tout de suite. Hé, hey, vous démarrez avec I've Got You. Ouais, ouais. Bonne idée, allez, on y va. Philippe, je vais être furax. Et alors? On démarre par I've Got You. Ashley, hey, merci. Oh, y a pas de quoi. Tu es sûre que ça va? Ouais. Ouais, je vais. Je suis fière de toi. The world would be a lonely place without the one that puts a smile on your face. So hold me till the sun burns out. I won't be lonely when I'm down. Daddy! C'est d'enfer! Croyez-vous avoir dit de ne pas la jouer, celle-là? Eh ben, il faut croire qu'on n'est pas superstitieux. Moi, c'est le cas. J'aurais dû te virer sur le champ. Mais ça sonne. Ça sonne. Bon boulot. Merci. Pas ce soir. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air toute déprimée.
Maggie, je crois que je craque pour lui. Lève mon verre à leur succès. C'est génial. C'est ce qui te met dans cet état. J'en sais rien, je me dis... L'attirance que j'ai va forcément me donner envie de l'embrasser. Tu l'embrasses. T'as qu'à l'embrasser. Je peux pas. Oh, Ash. Je t'en prie, ne me dis pas que tu crois encore à toutes ces inventions. Plus qu'avant. Ne pas l'embrasser, c'est terrible. Il faut que j'y aille. Quoi? Où est-ce que tu vas? À la gare centrale. Je vais rendre visite à mes parents un petit peu. Il faut que je prenne de la distance. Tu me fais un câlin? Éclate-toi, hein. Fais gaffe à toi. Salut. Serrons-nous, vous pouvez vous arrêter. Tous les trains sont momentanément retardés. Évidemment. Tu attends le train? Je veux simplement te dire que tu ferais peut-être mieux d'abandonner. Jack, s'il te plaît. Avec la chance que t'as, ils vont faire une annonce au micro disant que, suite à divers incidents techniques, tous les trains sont annulés. Tu vas attendre le bus dehors au moment où une pluie d'acide va tomber, voire même des grêlons d'acide. Écoute, Jack, je peux pas être avec toi. Tu sais, je le fais pour toi. La chance tourne, Ashley. T'es au courant? Un soir, j'ai embrassé une sublime jeune fille à l'immense fête de mascarade. Non, arrête! Je te jure que je suis pas dingue. Ce soir-là, nos chances se sont inversées et elles continuent. Tiens, je te défie de perdre. Alors, t'as eu la malchance de me rencontrer? Non! J'ai eu la chance de rencontrer un type comme toi. Mais tu mérites d'avoir ma chance. Tu l'emploies beaucoup mieux que ce que je fais. Ça ne m'intéresse plus. T'es cinglé! J'ai envie de te la refiler. Non, reste où tu es. Je trouve ça génial, mais je peux très bien vivre sans. Comment tu peux le savoir? Parce que tu feras partie de ma vie. Surmonter les obstacles à venir ne me semble pas cher payé. Que je vais la laisser filer. Ah ouais. Il y a peu de chance. Alors, à qui le tour? On s'en fiche. Oh, t'es dégueulasse! Tu abandonnes une gamine dans une limousine pour aller la tripoter? Tu m'as obligée à partir d'une super fête avec des vrais rockstars. J'ai pété mon lacet, j'ai avalé mon chewing-gum et maintenant je me retrouve coincée là à vous regarder vous lécher les amygdales. Bonjour la soirée. Cathy, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Pourquoi vous me regardez comme ça là? Tu y es? Oh, 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 j'ai plein de bave sur moi. Essaye ça, tu vas adorer. C'est drôle. Cool. Mais où est-ce qu'on en était déjà? $25? Oh non, j'en reviens pas, je suis riche! Oh ouais, je suis riche, je prends la limousine, Dak! Faut que je monte ça à mamie! Je viens de toucher le jackpot! Hé, Bernie! Merci. Elle le mérite bien. Pizza? Avec joie. Alors, tu crois que t'es prête à renoncer à ta chance? Pour l'instant, je ne me suis jamais sentie aussi chanceuse. Moi aussi. Tu crois au karma? Au karma? Ah, je te fous de moi. Un jour, j'ai aidé une vieille dame à traverser la rue. Le lendemain, j'ai trouvé un billet de $100. Ashley, c'est de la chance. C'est le karma, ça. C'est de la chance. C'est le karma. Le karma. Chance. Chance. C'est le karma. Chance. Merci. Hé? Un centime? J'ai l'impression qu'on a toujours de la chance. Qu'est-ce que ça change? Absolument rien. I just wanna know what you're thinking. I got a mission. It's all about a kiss. And I just
so long now, you've forgotten how to smile. And overhead the skies are clear, but it still seems to rain on you. And your only friends all have better things to do. When you're down, yesterday you asked me something I thought you knew. Said you made my life worthwhile. It's all about you. And I would answer all your wishes if you asked me to. But if you deny me one of your kisses, don't know what I'd do. So hold me close and say three words like you used to do. Dancing on.